eh bien, verset ça t'a appliqué pour eux. Qui était période l'église persécutée pour nous tomber dans l'église impériale, soit 4e siècle qui va commencer à Constantin, pour nous passer dans période l'église impériale, même verset ça, il t'a appliqué pourtant ça. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pour nous sortir dans période l'église impériale, pour nous tomber dans ça où l'église médiévale, c'est une dans période l'église t'a pas prendre cap qui t'a prendre plus temps qui durer environ 11 siècles qui t'a pas prendre fin au 14e siècle pour rentrer dans 14-15e siècle pour rentrer dans 5e période l'église là qui c'est l'église de la réforme même verset ça l'y appliqué. Est-ce que nous sommes bien pour nous tomber dans ça où les périodes et comme t'as dit ça période contemporaine non et qui ne passe ni remonter depuis dans la période 17e, 18e siècle pour nous tomber dans le 21e siècle, même verset ça, il est appliqué. Et monsieur qui a étudié, il n'y a pas même les périodes ça, période temps moderne, il parle de tellement de senti au travail, il parle de post-modernité. Ça, il y a au-delà. Est-ce que nous entendons bien? Il y a au-delà. C'est-à-dire que parti bagay, tout le temps moderne, il est trop petit. Pour eux-mêmes, il est trop rase. Est-ce que l'église en la même? À ce verset, est-ce que nous avons verset? En pile verset, nous avons là. Mais disposons, nous commençons à verser ça, mais en pile verset, nous voilà. Pour nous comprendre le contexte actuel. Là, nous définissons modernité et la housse achète définie. Modernité, et il dit modernité c'est actuel de notre époque ou d'une époque récente. Peut-être si on a parlé de modernité dans la période 16e siècle, 17e siècle, là, au 17e siècle, on a parlé de modernité. Et c'est nous là avec moi. Dans la période, il y a des bagailles qui ont commencé à faire avant pas de gagner. Est-ce que là, depuis que nous avons moderne, par rapport avec période archaïque là, c'est-à-dire l'on prend 6e, 7e, 8e siècle, l'on tombe dans zone 16e siècle et pas même bagaille. Pour un paquet d'invention qui pourra le fait. Et moi-même étant que ingénieur en électronique, ça me parle de la m'connel. Et vous parlez de ça ou le monde électronique là actuellement là, mon cap sur nous à travers internet. Yo ka côté m'chita là en Haïti dans Delma, ou ka suivre moi. Mais c'est à partir de l'invention du transistor. Transistor, c'est une composante électronique. Et à partir de l'invention transistor avec un grand savant, Yoweli Shockley, qui va inventer transistor, qui c'est une composante bipolaire et disposée de trois régions dopées. C'est un ingénieur électronicien là, il va comprendre ça, m'a dit là. Donc, c'est de que. À partir de l'invention transistor, on peut jouer un paquet de bagages qui peut le faire. C'est à partir de l'invention transistor, on peut jouer ça ou les circuits intégrés. En dans un circuit intégré, on peut jouer n'importe 50 transistors en dans. En dans un circuit intégré, on peut jouer n'importe 100, 150, 200 transistors en dans un circuit intégré. On peut jouer ça ou les microprocesseurs. On peut jouer des circuits imprimés. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, c'est-à-dire qu'avant, pas de bien ça. Nous connaissons monsieur qui fait informatique, nous connaissons une période, on appareil, sous un ordinateur, t'es presque gros, c'est ça. On prend son gros chamkaï, parce que pour qu'on ait un transistor, on paquet, on servi avec ça, ou il est ici, avec des diodes, on te conservé. Et diodes, on te conservé tout avec résistance de chauffage. C'est-à-dire qu'on bagaille, on grain transistor fait, un transistor qui est capable de faire n'importe 30 fonctions, tandis que il remplace n'importe 30 composantes. Donc, si l'on parle de modernité, à chaque fois qu'on bagaille, qu'on renouveau, nous avons parlé de modernité. Et dans la période où nous sommes là, nous tellement l'homme travaille, nous pas qu'à parler encore de temps moderne. Est-ce que là, on parle de post-modernité? Est-ce que l'Église mondiale est là avec moi? Mais Paul dit nous, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par un renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On dit que modernité, c'est actuel de notre époque ou d'une époque récente. On définit moderne dans lui-même et vocable moderne dans lui-même, sorti dans le latin, qui c'est modernus, de modo qui signifie récemment. Et c'est nous là avec moi, ou bien récent. Et c'est nous saisissons bien. Donc, c'est dit dans la période nous y est là, son période, nous avons dit de grandes inventions. Et chaque période, chaque année, pendant ma parole là, je commence à travailler là, sous machine 2013. Ou là, c'est-à-dire que pendant 2013, je me dis comme ça là. Machine 2013, d'un temps près déjà. Quand il y a travail là, sous qui modèle machine qui pour sortir en 2014. Est-ce que vous saisissez bien? Et nous avons travaillé là pour yon, si vous avez quitté le carburant de côté, parce que le problème carburant, nous connaissons que l'on prend carburant, ça nous les gazoline nous servir avec lui. C'est une source épuisable que lié. Dans une zone qui gagne, de pour finir épuisé, ou pas besoin encore. Et nous avons étudié, pour les États-Unis là, nous avons inquiet. Ils n'ont pas servi presque avec ça ou bien. C'est Kaimoun, ils n'ont pas allé faire gros ponyette, ramasser ça ou bien. Et puis, sous ce paio, ils n'ont pas épuisé. Donc, ils ont pris de l'eau, qui est une source, on a dit, renouvelable. Les différents de pétrole là, ils n'ont pas une source renouvelable. Si vous prenez pétrole là dans la zone, ça, des profils pour épuiser, li, ou pas besoin encore. Ou pas besoin de l'autre côté. Quand il y a monsieur qui travaille, quand il y a pour ouais, est-ce que vous n'avez pas un moteur qui fonctionne à de l'eau? Est-ce que vous entendez bien ça, ma bia là? C'est-à-dire que seulement pour le courir machine ou là, ou râler l'eau, ou prendre beaucoup de l'eau là dans le puits, ou plein de temps. Même pour me venir là, mes amis, ou m'obliger à mettre gasoline. Mais les machines là, très bientôt, vous pas mettre gasoline, non, ou pas là, ou aller au cap. Vous comprenez, c'est plein de temps qu'on a de l'eau. Si vous manquez de l'eau, arrivez mon rivière, ou rechargez de l'eau encore. Et pour faire out. Donc, nèg yo ap travay. Et par rapport à travail que vous fait, période de terre les modernes, par rapport avec ça a fait aujourd'hui à Olil Akaïque. Ou là avec moi? Arriéré. Ou là avec moi? Eh bien, mon Dieu avec nous, oui. Eh bien, c'est comme ça vous défini et modernité. Ya. Après ça, nous allons rentrer dans ça où les modes l'entour. Vous connaissez, vous parlez tout de mode, vous dites, vous avez parlé de ça. Mais les définitions, je passe sur vous. Eh bien, vous définissez mode là comme manière de vivre, comme manière de penser. Usage peu durable. Manière collective de penser ou d'agir d'une société. Lorsque vous parlez de mode, façon que société a pensé, ou la même, jeune pensée en 2012, En 85-86, nous n'avons pas de penser comme ça. Est-ce qu'on l'a avec moi? Si je me parle dans la période de Timoun, moi-même, l'homme a 10-12 ans, depuis le 24 décembre, on reprend tout Timoun de l'eau. Moi-même, je ne sais pas qui était dans l'époque, moi-même, je suis un qui chargé de balles rouges, qui est dans la génération. On l'a avec moi, moi-même, en 75, qui est dans la génération, je suis un petit âme. Frère, est-ce que tu as ça? Ti za mon bon côté la petite pile ti balle rouge ou kounya bon côté ou là da mon saisi bien tandis que dans période nous elle t'a permettre ou ba un petit zam avec un petit zam de l'eau non c'est bon matériel pour la faire blow faut le temps de son est-ce que là avec moi parce que ti moun 13 14 ans kounya c'est gros gang yoyé yo gen zam nan men yo y habitué à bon 38 kounya ka vinn ba vinn sou yo là. Tout le monde qui a 13-14 ans, il y a un petit zam. Petit zam avec petit bal rouge. Et puis, non, et puis, ça me fait garder dans la période là, c'est Simon Templa. Voilà qu'on voit ce film, ça, monsieur, qui est dans la génération. Simon Templa. L'offre garder Simon Templa, et pour avec petit zam, cowboy ou cowboy. Daniel Boone. Vous l'avez moi? Ou Django, Daniel Boone. Et pour même, ou c'est indien. Et puis, ça tendait à tisam ou bon côté ou tisam jouet tout, et pour jouer. Mais qu'on n'y a pas de jouet. On a son l'autre bagage. Ça y a une période pour monsieur, ça y a une période caduque. Est-ce que nous entendons bien? C'est-à-dire que ça parle à mode encore. Est-ce que nous entendons bien? Lorsqu'on parle de mode là, nous dit c'est manière de vivre.
ou là, mais qui pas durer pour longtemps, parce qu'au cas qu'on le vive dans telle période, dans telle génération, de telle façon, et dans l'autre génération, ou changer mode. Lors de changer mode, là, ou changer pensée, ou changer style, ou changer manière de vivre. Ou là, et ça fait ou dit, de définir comme usage peu durable. Et moun kap parle, on comprend ça bien, qu'on période, le nek te kon met pantalon sou yo, c'est pantalon éléphant. Lors dit pantalon éléphant, mais là, j'ai pantalon éléphant. Ou là, ou est plus à bas comme ça. Après une période, moi maintenant, si t'en pas, moun te kon sa ou le pantalon éléphant. C'est dit, mais là, j'ai pas yo. Qu'on y a ou quitté pantalon éléphant, ou dit ça par la mode encore. Yo vin en bas, yo le tambou. Lors du tambou, c'est dit, là, j'ai pantalon, mais là, j'ai en l'air et puis en bas ti pi a fait c'est dit l'or chita pour retirer faut chita bien pour retirer le temps et pas n'importe soulier ou après tirer dans pio ou là ça si ça ou les modes là c'est dit une période où on prend pantalon il fait une période tambou une période etc ou là une période verse ou pas verse ça pas à la mode c'est verse qui chiré fan chiré qu'on y a ou les ailes ravettes avait dit pas à la mode. Avec mon Dieu, avec nous. Maintenant, en dépit de tout, Paul dit nous-mêmes, ça pas pour nous. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Au contraire, qu'est-ce beaucoup pour là? On va avancer beaucoup pour là. Si ma lame qu'a quitté, reba, yo m'pas passé du tout sous yo. Ou là, m'a commencé fait by détail. Avec mon Dieu, avec nous. Mais l'aime commence bon détail là et de l'eau n'a vu de zoom là. Après mon Dieu avec nous. Bon Dieu béni nous. Et vous définit parure comme l'ensemble des vêtements, des ornements, des bijoux servant à parer. Est-ce que vous entendez bien? C'est comme ça, monsieur, vous définit. Monsieur Lexico. Comme tu as dit, lexicologue, il y a défini et thème ça parure. C'est l'ensemble des vêtements, des ornements, des bijoux servant à parer. C'est dit pour mon habiller, façon qu'il habille. Parer, c'est arranger ou orner dans l'intention de donner belle apparence. Synonyme à ag et arranger, décorer, embellir. Orné. Est-ce que nous saisissons bien? Beaucoup entrer dans le détail, non? Parce que je pour entrer dans le détail, je beaucoup interpréter là, pour venir à ce que je veux. Est-ce que nous entendons bien? Tout ça, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je conception. Est-ce que nous saisissons? Nous voulons la Bible dans la main pour nous comprendre. Nous ça parler, c'est arranger ou orner dans l'intention de donner belle apparence. Synonyme de arranger, décorer, embellir, orner. C'est-à-dire pour moun kawe. Comme si vous pas l'habiller là, pas oublier les moun nan met ton chaîne. Imaginez, on est grété, li fin habillé. Ou là, li mette n'importe trois chaînes nan koul. Est-ce que vous l'avez avec moi? Gen moun ki met chaîne, non seulement met chaîne nan koul, li met chaîne nan piel, li met chaîne nan, li met goumet nan mel, zando même fait quinquin. Gen moun même ki gen n'importe trois ou dans oreille pour me bader dans toute zone dans net ou là pour qui ça pour attirer et nous comme moi même pas tellement fort dans ça mais l'on parle dans langage chaque bagage signifie un bagage gen façon moun nan mette gou mettre là mettre bag là